بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس اتقوا الله سبحانه أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله أو فولي الله سبحانه وتعالى جو مون ainsi qu'à subhanahu wa ta'ala. Donc le chapitre ici concernant l'éducation des enfants. L'éducation des enfants est éprouvante. Ils ont besoin que l'on patiente avec eux et que l'on fasse preuve de diplomatie à leur égard. Ainsi, Certains enfants ont besoin qu'on se comporte avec eux avec douceur et délicatesse. Ils n'aiment pas qu'on élève la voix sur eux. En se comportant avec dureté à leur égard, on ne fera qu'aggraver leur obstination. D'autres enfants ont besoin que l'on fasse preuve de Dureté avec eux. Cependant, cette dureté ne doit pas dépasser les limites. Si on les dépasse, l'enfant s'entêtera et refusera d'écouter ses parents. Nous demandons à Allah de nous octroyer l'aptitude à éduquer correctement nos enfants. Il faut savoir que la responsabilité qui incombe aux parents à ce sujet est grande. Allah Jalla jalal yaqul fi kitabihi al-karim ya ladhina amanu qoo anfusakum wa ahlikum nara. Le sens du verset Oh vous qui avez cru préservez vos personnes et votre famille d'un feu. On trouve dans les deux recueils authentiques, d'après Ibn Omar, le prophète a dit Vous êtes tous des bergers et vous aurez tous des comptes à rendre concernant votre troupeau. Le dirigeant est un berger et il aura des comptes à rendre concernant son peuple. L'homme est un berger pour sa famille et il aura des comptes à rendre. La femme est une bergère dans la demeure de son mari et elle aura des comptes à rendre. Le serviteur est un berger concernant les biens de son maître et il aura des comptes à rendre. Bref, vous êtes tous des bergers et vous aurez tous des comptes à rendre au sujet de votre troupeau. Ce hadith du prophète wassalam, fait partie des sagesses. Ainsi, toute personne à qui une mission est confiée en est responsable. Dans les deux recueils authentiques, d'après Ma'qil ibn Yasar, il rapporte du prophète qu'il a dit, Le serviteur à qui Allah confie la responsabilité d'un groupe qu'il ne gère pas avec sincérité ne sentira pas l'odeur du paradis. Les deux parents doivent s'entraider dans l'éducation de leurs enfants. Si l'un d'eux néglige sa part de responsabilité, sa mission n'aura pas été accomplie correctement, à moins qu'Allah n'en décide autrement. L'enfant doit être instruit en fonction de son âge et de sa compréhension. Voici donc, chères sœurs, quelques exemples de méthodes éducatives en bas âge. Faire répéter le mot Allah à l'enfant en montrant du doigt le ciel si tu donnes à manger à l'enfant comme un morceau de pain ou autre donne-le-lui dans sa main droite si le plat est chaud tu ne dois pas souffler dessus car le prophète a interdit de respirer dans les récipients comme on peut le voir dans les deux recueils authentiques, d'après Abu Qatada, en effet, si l'enfant voit quelqu'un faire cela, il s'empressera de l'imiter, et ce pour toute chose. C'est d'ailleurs le sens des propos du prophète, salam, qui a dit, « Tout enfant né selon, une Saine nature, ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien. On trouve dans le recueil authentique de muslims que le prophète aléhi salat wa salam rapporte d'Allah qu'il a dit J'ai créé mes serviteurs en pur monothéiste, mais ce sont les démons qui les ont égarés. Un poète a dit les enfants parmi nous grandissent conformément aux habitudes inculquées par leurs parents. Quand l'enfant atteint l'âge d'un an et demi environ et désire manger ou boire, apprends-lui à dire Bismillah au nom d'Allah. Phrase qui deviendra alors une seconde nature qu'il dira de lui-même par la suite. Dès que tu sens qu'il est apte à comprendre les piliers de l'islam, de la foi et de la bienfaisance, fais-le. Je ne donne pas d'âge particulier pour cela, car l'éloquence et l'intelligence est différente d'un enfant à un autre. Les piliers de l'islam sont les suivants, comme il est rapporté dans le hadith. ابن عمر رضي الله عنه، عليه الصلاة والسلام، جي: "الإسلام باتي في خمس بليا، لاتيستاسيون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك".